Bonjour. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment observer une amibe au microscope. Comment identifier ses différentes structures. Comment observer son mode déplacement et son mode de nutrition au microscope. L'amibe fait partie des protozoaires, qui sont unicellulaires et qui sont constitués d'une seule cellule. Nous allons voir comme exemple d'amibe, l'espèce nommée Amoeba proteus. La structure d'une amibe est la suivante. L'amibe possède des pseudopodes, qui signifient faux pieds, qui permettent à l'amibe de se déplacer et de capturer sa nourriture. Des vacuoles contractiles. Un cytoplasme constitué de deux parties. Un ectoplasme, qui est la partie transparente du cytoplasme. L'endoplasme, qui est situé à l'intérieur. Un noyau, qui est le siège de matériel génétique. Des vacuoles digestives, qui permettent la digestion des proies, capturées par l'amibe. L'amibe se nourrit de bactéries et d'autres micro-organismes. Une membrane cytoplasmique, qui entoure le corps de l'amibe. Comment observer une amibe au microscope? Matériel nécessaire. Un microscope. Une lame. Une lamelle. Un compte-gouttes. Un échantillon d'eau stagnante contenant des protozoaires. Méthode d'observation. Mettre deux gouttes d'eau stagnante sur la lame. Couvrir avec la lamelle en évitant les bulles d'air. Observer au microscope au faible grossissement x40. Faire la mise au point. Puis observer au moyen grossissement x100. Choisir une amibe dans le champ du microscope. Observer au fort grossissement x400. Ce sont des organismes qui vivent dans l'eau stagnante, dans l'eau salée et parfois dans les milieux humides. Pour pouvoir se déplacer, l'amibe fait couler le contenu de son cytoplasme dans la direction voulue. Ce qui lui permet de se déplacer grâce à ses pseudopodes. C'est le mode de locomotion des amibes. À l'intérieur du cytoplasme de l'amibe, on peut distinguer des grains grisâtres et noirs, qui correspondent aux vacuoles digestives, qui contient les aliments ingérés par l'amibe. Merci de votre attention. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Abonnez-vous à la chaîne de travaux pratiques de science. Merci et à la prochaine vidéo.